Myself, Anupama Das from Focus News. We welcome you to our channel. How is your trip in India? And how is the FCCI Education Summit going for you now? Comment se passe votre voyage en Inde et quelles sont les impressions que vous avez sur la réunion qu'il y a eu le sommet? Je suis venu à New Delhi avec un plaidoyer sur l'enseignement supérieur, sur la recherche scientifique, sur le transfert de technologie, le tout dans l'intérêt de l'étudiant, dans l'intérêt de l'école gabonaise. Et naturellement, je suis heureux d'avoir passé ce message et d'avoir constaté qu'il a été bien reçu. How is higher education in your country and how you are going to collaborate it with India? Comment est l'enseignement supérieur au Gabon et quels sont les partenariats que vous espérez mettre en œuvre? Le Gabon compte 3 bassins académiques, 10 établissements d'enseignement supérieur, dont 3 universités. Du point de vue de la fréquentation, nous avons 12 000 places qui accueillent à ce jour 55 000 étudiants. Il y a donc évidemment une surpopulation des universités, toute chose qui appelle, et c'était l'objet de mon message par ailleurs, qu'on construise 4 nouvelles universités, 4 nouveaux bassins académiques. À ce titre, je me félicite de la réaction de l'université de Lahore, qui entend de manière tout à fait intéressée étudier ces hypothèses pour voir comment, dans un délai raisonnable, nous allons conclure un partenariat gagnant. Thank you so much, sir, for talking to me. We are highly obliged to get you in our channel.